Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau bus de combat de Fortnite saison 2 chapitre 3 parce qu'en fait il y a un poste de financement qui vient d'être financé pour débloquer le bus de combat et apparemment il est disponible. Donc on va aller découvrir ça ensemble, je ne l'ai pas encore testé mais je peux vous dire l'emplacement. Donc l'emplacement c'est juste ici à Sanctuaire. Voilà, juste ici, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement. Et normalement, il y a un bus qui nous attend. Oui, regardez, effectivement. Donc, il est vraiment juste devant moi, juste ici. Regardez, le bus est juste là. Donc, c'est le bus de combat. Il a bien été financé à 100% en lingots d'or. Donc, il y en aura d'autres qui arriveront. Normalement, il y en a un qui se trouve vers la Synapse Station. Donc, voilà à quoi ressemble le fameux bus de combat. Donc, on peut voir qu'il y a deux tourelles. Donc, ça, je l'avais déjà remarqué. Hein. Il y a une tourelle... dans le trailer, il y a une tourelle en haut qui tire des obus, à l'arrière qui tire une mitrailleuse. Donc on va essayer de changer de place pour tirer justement sur l'ennemi. Ok, le mec vient de me voler mon bus là. Oh, il est sérieux là? Il sort de là. Non mais oh. Oh, il a changé de place. Oh, il va me tirer dessus. Oh le fou. Oh le fou. Ah c'est bon, je conduis. Excellent. Donc regardez, le bus de combat a une petite lumière bien sympathique quand vous activez la musique. Quand vous utilisez la musique, il n'y a plus de lumière. Mais il est en train de détruire mon bus, ce con. Allumer et éteindre la radio. Ah ouais, mais je peux même plus allumer la radio. Il a cassé mon bus, quoi. Oh là là, quel malade, ce mec. Oh là 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 là. Il s'est totalement détruit le bus. Il a complètement détruit le bus, ce con. Bon bah c'est pas grave, je vais relancer une game et je vais vous montrer le reste du bus. Ok, c'est reparti, on va rechercher le bus. Et cette fois-ci, je vais directement conduire et m'en aller avec pour pouvoir vous le présenter bien tranquillement et pas avoir un ennemi qui me chorafe le bus, quoi, tout simplement. Parce que là, ça va pas. Hop. Donc voilà, c'est un bus blindé, hein. Énormément de PV, etc. Ok, c'est pour la résistance. Bien entendu, regardez, il a un bouclier à l'avant, là, qui permet de défoncer tous les bâtiments. Regardez. Oh non, mais je rêve. Non, mais je rêve, là. Je rêve, mon frère. Pourquoi tout le monde vient me faire chier avec mon bus? Oh. Excellent. Donc là, regardez. Il détruit vraiment tous les bâtiments, donc ça c'est pas mal si vous voulez réaliser le défi détruire des structures, ça détruit vraiment tout tout tout. Ok, le mec il a changé de place, on va essayer de le défoncer. Oh oui. Oh non. Il est où? Ah, il a pris le contrôle du bus. Donc regardez, là il y a une petite tourelle qui bien entendu surchauffe à un moment, hein. Voilà, là elle est surchauffée. Donc je sais pas combien de dégâts elle fait. Elle fait 40 sur 40, 40 par 40, sur les véhicules du moins. Après sur les adversaires, je sais pas combien elle fait. Oh, oh, 60, 40, oh ouais, mais je l'ai, oh le con, ah mais il est trop con lui. Ok, ok, hop, on reprend le contrôle du bus, merci mon pote, c'était fort sympathique. Ah ok, on a un boost. On peut... Ah, et quand on met du boost, il y a de la musique. Ok, c'est stylé. Frein à main. Oh, on peut faire des freins à main. Non, sérieux. Attends, L1. Genre, on fait ça. Frein à main. Ouais. Bon, après, c'est des petits freins à main. Mais... On peut pas faire des putains de dérapages, mais bon, c'est bon à savoir. En appuyant sur L1, c'est un frein à main. Changer de place, klaxonner. Ah ouais, le fameux klaxon du bus. Allumer, éteindre la radio, changer de station. Là, quand on allume la radio, il y a la lumière. Ok.
plutôt stylé, j'ai plus d'essence. Qu'est-ce que je pourrais découvrir encore d'autre avec... Ah ouais, on va regarder combien ça fait de dégâts, ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais c'est une cadence plus réduite, mais v'là les dégâts. V'là les dégâts que ça fait. Oh là là. Bon, après, c'est un char qui a quand même devant moi. Oh, je l'ai défoncé. Il est en PLS, le char. Ah ben voilà, je l'ai détruit, je crois. Oh là là là. Franchement, ça va être vraiment très efficace. Hein. Pour le thème rébellion, résistance. Bon, j'aimerais bien tirer sur l'ennemi là-bas. Voilà. Ah ouais, 75 de dégâts. 75 de dégâts, ça one shot direct. Bon, après, ils avaient 75 de vie, mais... Ok, est-ce que je dois tirer 75 de vie sur un vrai joueur? Ouais, l'explosion du projectile n'est pas énorme. Donc, il faut vraiment tirer sur l'emplacement du joueur pour que ça fonctionne. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. Regardez, moi, dans mes parties, il n'y a que des bambis. Excellent. Le mec, je l'ai tiré 5 fois dessus, il a pas bougé, quoi. C'est quoi ce délire? Ok, donc voilà, hein, ça c'est pour le petit bus de combat, enfin le petit bus, le gros bus. Regardez-moi la taille de ce bus, c'est incroyable. Regardez le camion comparé à côté du bus. Il est juste insane. C'est incroyable, je savais pas que le bus était aussi gros, quoi, tu vois. Normalement, les camions, c'est plus grand qu'un bus. Ici, c'est l'inverse dans le jeu. C'est incroyable. Attends, si je pète les pneus? Quoi? Ok. Même en pétant les pneus, je crois que le bus il est plus grand, quoi. C'est quoi ce délire, wesh? Il y a un problème de proportion là, c'est pas possible. Donc voilà, ah ouais, au total, regardez, il y a une place, deux places, trois places, quatre places, cinq places, six places. Le bus il a sept places, les mecs. On peut jouer caca dans le jeu, mais il y a sept places. Va comprendre. À mon avis, c'est pour qu'on fasse la fête. Entre plusieurs teams. Et si on fait ça avec plusieurs teams, eh ben on va se faire signaler pour glitch et on va se faire ban. Non mais il y a des gens qui se sont déjà fait signaler parce qu'ils faisaient genre équipe dans la même partie, donc enfin ils jouaient ensemble et ils se sont fait signaler, ils se sont fait ban, quoi. Et là ils nous donnent un bus pour 7 players, quoi. Incroyable. Ah mais à mon avis c'est sûrement pour au cas où tout le monde veut prendre le bus, ils viennent ici, bam bam bam, ils s'attaquent entre eux. Oh. Oh attends, on va le défoncer le. Non! Il m'a volé mon bus. Regarde, je vais faire. Oh! Oh! Maintenant, je me casse! Vite! Voilà, je me casse. Comme ça, il ne tirera pas. Donc voilà, enfin bref, je pense que je vous ai montré l'entièreté du bus de combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré les emplacements, donc j'espère que ça vous sera utile aussi. N'hésitez pas à en profiter. Franchement, le gameplay, il a l'air pas mal du tout. Un bel ajout de la part de Fortnite. Bah, les chars, c'était déjà un bel ajout. Enfin, moi, j'aimais plutôt bien. C'était assez stylé. Mais là, le bus de combat, franchement, c'est le meilleur véhicule qu'il y a sur Fortnite. Hein. Il y a pas photo. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de rébellion de Fortnite chapitre 3 saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.